Euh, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en très pleine forme. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la vidéo qui traite la descente de charge pour le cas d'une poutre. La dernière fois, nous avons vu le premier cas qui traite euh, le cas d'une dalle supportée sur un seul sens. Aujourd'hui, nous allons voir le cas où nous avons une dalle supportée sur deux sens. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne si vous êtes nouveau ici. Bon, je vais juste faire un petit rappel en ce qui concerne la descente de charge au droit des poutres. Donc, nous avons bien dit la dernière fois qu'il y a un paramètre appelé alpha qui est, est égal à la largeur de, de la dalle divisée par la longueur de cette dernière. Si nous avons un alpha qui est supérieur à 0,4, donc ici nous avons une dalle supportée dans deux sens. Alors que lorsque alpha est inférieur à 0,4, la dalle ici elle est supportée sur un seul sens. Et du coup, on parle de seulement deux poutres qui vont supporter sa descente de charge. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la dalle qui est supportée dans deux sens. Nous allons voir comment on fait les calculs pour les quatre poutres qui supportent cette dernière. Donc voilà un cas pratique ici. Nous avons le alpha, elle est supérieur à 0,4. Il faut juste noter que le LX, c'est la poutre qui réfère à la largeur de la dalle. Et LY, c'est la dimension de la poutre. Qui réfère à la longueur de cette dernière. Donc, nous parlons bien évidemment d'une dalle qui est supportée dans deux sens. Et du coup, on est obligé de faire les calculs à la fois pour la poutre en longueur et pour celle qui est située en largeur. Bon, pour bien différencier entre ces deux cas, nous allons utiliser la couleur rouge pour la poutre en longueur et nous allons utiliser la couleur jaune pour la poutre en largeur. Parallèlement à ce que nous avons vu la dernière fois, la descente de charge. Pour cette situation, sera aussi une charge répartie uniforme, c'est-à-dire il n'y a pas ici d'effort concentré ou bien une charge qui est variable, d'accord. Et de la même manière, il faut respecter la procédure suivante pour calculer la descente de charge au droit de chacune de ces poutres. Donc tout d'abord, on doit calculer le poids propre de la poutre en béton armé. En deuxième temps, on doit calculer le poids de la partie de la dalle supportée par la poutre. Troisièmement, le poids des charges permanentes non structurelles. Quatrièmement et dernièrement, on doit calculer les charges d'exploitation. Et comme je fais toujours avec vous, j'aime bien travailler sur des cas pratiques afin de mieux illustrer les détails de la notion de la descente de charge. On va supposer que nous avons le cas d'une dalle qui est supportée sur seulement... 4 poteaux ici et 4 poutres bien évidemment. Nous avons ici une certaine symétrie, c'est-à-dire toutes les poutres qui sont opposées ont les mêmes caractéristiques. Nous avons petit l est égal à 2,4 m pour la largeur et pour la longueur nous avons le grand l est égal à 4,4 m. Donc on parle ici bien évidemment d'un alpha qui est supérieur à 0,4. Et du coup la répartition des charges ça se fait suivant le schéma suivant. Donc on doit tracer des triangles pour la poutre qui est en largeur et des trapèzes pour les poutres situées en longueur et il faut bien faire ce traçage tout en respectant un angle de pi sur 4 ou bien 45 degrés au droit de, de l'ensemble des angles que nous avons ici c'est à dire tous les coins ici il faut bien respecter cet angle et du coup bien sûr on doit chercher le alpha donc le alpha ici tant qu'il s'agit d'un angle qui est perpendiculaire donc on parle de 90 degrés divisé par 2 ça va nous donner un alpha qui est, est égal à 45 ⁇ aussi. Et bien évidemment, on va avoir ici dans ce triangle, il sera un triangle isocèle, c'est-à-dire cette côté, ainsi que le x, et ils sont égaux. Ils sont égaux à l sur 2. Pourquoi Parce que tout simplement, nous avons le x, c'est égal à cette partie, et cette partie, en fait, c'est l petit l divisé par 2. Et bien évidemment, la hauteur de la partie trapézoïdale, ça sera aussi l sur 2. Tant qu'on parle parlant de la moitié de la largeur de la dalle. Donc, c'est comme ça qu'on doit faire la répartition des parties de la dalle qui seront, ou bien qui vont exercer leur poids sur les poutres qui nous concernent. Nous allons voir la méthode du calcul de la descente de charge avec détail. Donc, ici, nous avons un ensemble de données euh, la masse volumique du béton armé. Comme je le dis toujours, c'est égal à 2500 kg par mètre carré. Nous avons la masse de la dalle au ordi. On ne va pas l'utiliser ici tant qu'il s'agit d'une dalle qui est pleine. Voilà le cercle ici, ça réfère à une dalle qui est pleine. Nous avons un bâtiment d'habitation et du coup la charge d'exploitation est égale à 150 kg par mètre carré. Les charges permanentes non structurelles, notamment le revêtement, le faux plafond, les murs, etc., nous avons... Une valeur de 260 kg par mètre carré. Donc, le alpha ici, comme vous pouvez voir, nous avons une largeur de 3 mètres. Il faut retrancher les deux parties, les deux largeurs des, des poteaux. Nous avons deux poteaux au niveau des extrémités, celui en haut et celui en bas. Et au niveau de la longueur, de la même manière, nous avons deux poteaux ici. Il faut bien prendre leur largeur en considération pour le calcul de alpha. Donc nous, tout calcul fait, ça va nous donner 2,4 divisé par 4,4 et ça va nous donner 0,54, chose qui est supérieure à 0,4. Et du coup bien sûr la dalle elle est supportée suivant de sens. Toutes les poutres ici vont supporter la charge de cette dalle. Et on n'aura pas comme la dernière fois seulement deux poutres qui vont supporter cette charge. Ben, je préfère faire la différence entre la poutre en largeur et la poutre en longueur, comme je viens de spécifier. Pour le calcul de, du poids propre de la poutre, qui est bien sûr en béton armé, pour la poutre en longueur, nous avons la formule suivante qui dit que la largeur de la poutre, on doit la multiplier fois la retombée, fois la masse volumique du béton armé. Tout calcul fait, ça va nous donner 375 kg par mètre. Donc il faut bien faire attention qu'on doit toujours faire les calculs par unité de mètre. On ne doit pas multiplier voire la longueur de la poutre, mais on doit chercher la, la charge exercée pour chaque mètre constituant ensuite poutre. De la même manière, nous avons en jaune ici ce qui réfère à la poutre en largeur. Nous avons la largeur de la poutre multipliée fois la retombée, fois la masse volumique. Tout calcul fait, ça nous donne 312,5 kg par mètre. Donc jusqu'à ici, il n'y a pas une grande différence avec ce que, nous, ce que nous avons vu au niveau de la vidéo précédente. Maintenant, nous avons passé à ce qui est un peu différent. C'est le poids de la partie de la dalle supportée par la poutre. Donc on vient de spécifier que le x c'est égal à l sur 2 et la largeur de la partie trapézoïdale c'est aussi l petit l sur 2. Donc voilà la formule ici, nous avons la largeur de la dalle concernée, on doit la multiplier fois la masse volumique du béton armé. Pardonnez-moi ici j'ai écrit surfacique mais je parle bien précisément de la masse volumique. Donc la largeur concernée pour le cas de, de la poutre qui est en longueur c'est celle-ci. Donc, normalement, vous allez poser la question, pourquoi au niveau des extrémités, nous n'avons nous pas l'intégralité de la dalle Nous avons seulement une largeur qui est inférieure à L sur 2. Mais nous, pour raison de sécurité, on fait comme si le L sur 2 s'est généralisé pour toute la longueur de, de la poutre. C'est clair Donc, on travaille comme si c'est L sur 2 euh, de l'extrémité droite jusqu'à l'extrémité gauche. Donc, on ne prend pas en considération c'est diminution de la charge due au fait que les poutres euh, à la gauche et à la droite ils supportent une autre partie de, de la charge donc on prend pas ceci en considération et on préfère rester dans les conditions de sécurité et on travaille avec une largeur de L sur 2 tout calcul fait ça va donner 450 kg par mètre bien sûr de la même manière tant que nous avons la même largeur ici le x elle est égal à l sur 2, on fait de la même manière une généralisation de cette largeur. Et du coup, au lieu de travailler avec des, des largeurs qui sont variables de l'extrémité basse à l'extrémité haute, donc on préfère travailler avec une largeur qu'on suppose qu'elle est uniforme tout au long de la largeur de la dite poutre. Et bien sûr, nous avons la même valeur, 450 kg par mètre. On passe maintenant au poids des charges permanentes non structurelles. De la même manière on doit prendre en considération la largeur de la dalle concernée, mais on doit lui ajouter la largeur de la poutre. Et ici nous avons deux types de poutres, deux, deux largeur plutôt. Nous avons les poutres en longueur, ils ont une largeur de 30 cm, et pour les poutres euh, qui sont en largeur, ils ont une largeur de seulement 25 cm calcul fait ça va nous donner pour la poutre rouge 390 kg par mètre pour la poutre en jaune nous avons seulement 377 kg par mètre et on passe maintenant à la dernière étape qui est le calcul des poids des charges d'exploitation donc ici de la même manière on doit juste faire la différence entre les largeurs des poutres la charge d'exploitation bien sûr qu'elle est constante au niveau de toute la dalle tout calcul fait, ça nous donne 225 kg par mètre au niveau de la poutre en longueur, c'est-à-dire la poutre rouge. Et pour la poutre jaune, tout calcul fait, ça nous donne 217,5 kg par mètre. Calcul. Récapitulons l'ensemble de ces calculs afin de faciliter le calcul de la charge finale. Ben, nous avons au niveau des charges Permanente, nous avons, pour la poutre en, pour la poutre, nous avons pour la poutre en longueur, qui est la poutre en rouge, un total de 1215 kg par mètre. Et pour la charge appliquée sur la poutre en largeur, nous avons seulement 1139,5 kg par mètre. Et au niveau de la charge d'exploitation, nous avons pour la poutre en longueur 225 kg par mètre. Alors que pour la poutre en largeur, nous avons 217,5 kg par mètre. Donc nous avons fait cette récapitulation afin de faciliter le calcul de, des descentes de charge à l'ELS et à l'ELU. On sait très bien que la combinaison à l'ELS c'est G plus Q. Tout calcul fait, ça nous donne 1440 kg par mètre au niveau de la poutre en, en rouge. À l'ELU, nous avons la combinaison 1,35 G plus 1,5 Q calcul fait ça nous donne une charge de 1977,75 kg par mètre pour la poutre en largeur la poutre colorée en jaune de la même manière on applique les mêmes formules on obtient à l'ELS une charge de 1357 kg par mètre et à l'ELU nous avons 1864,57 kg par mètre donc la seule différence ici c'est que on ne doit pas faire le calcul seulement pour deux poutres. Par contre, on doit faire les calculs pour les quatre poutres. Et la chose qu'il faut vraiment saisir, c'est que au niveau des largeurs, on adopte le maximum. Que ce soit pour la forme triangulaire, on, a, on adopte le, la hauteur du triangle pour l'ensemble de la longueur de la poutre. Et pour la forme trapézoïdale, on adopte de la même manière la hauteur du trapèze et on l'applique sur toute la poutre sans considérer que... La diminution de, de la charge au niveau des extrémités lorsqu'on s'approche des poteaux. Donc j'espère que vous êtes arrivé à faire la différence entre le cas où nous avons une dalle supportée sur seulement deux poutres et celle déposée sur euh, quatre poutres. Si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à les écrire au niveau des commentaires. Merci à vous, à une prochaine vidéo.